Bonjour, voici donc votre tirage défi pour cette mi-octobre. Ami Verseau, au sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la dame de l'offrande, le garçon au chameau et la sage-femme du pays des merveilles. Le tirage que je vais vous développer ensuite dans l'extension laisse apparaître que cette situation se passe avec quelqu'un. Et la carte de défi, les amoureux, le souligne d'autant plus. La dame de l'offrande, ici, vient souligner que vous gardez pour vous un certain nombre de choses. Ici, elle vient parler d'une situation où vous ne dites pas certaines choses, où vous ne parlez pas de ce qui se passe. Peut-être ne vous dites-vous pas la vérité. Parce que la carte d'évolution, la sage-femme du pays des merveilles, vient parler de votre intégrité. Elle vient souligner que l'honnêteté, l'authenticité, sont les seules valeurs qui permettent d'aborder le monde de manière positive, de manière progressiste, si je puis dire, puisque ça permet des progressions. Entre la dame de l'offrande et la sage-femme du pays des merveilles, nous avons le garçon au chameau. Il s'agit de demander de l'aide, il s'agit de dire ce que l'on ressent et ce que l'on est. Ça se reflète d'ailleurs dans les cartes du tarot au Shozen en dessous. L'action nécessaire au progrès dans cette situation, c'est de faire face à la situation et de demander l'aide dont vous avez besoin. C'est de dire ce que vous ressentez, c'est de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez faire. Pour transformer une situation où vous conservez les informations pour vous, où vous ne donnez pas d'informations, en une situation où vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez éventuellement demandé de l'aide à la personne à laquelle vous devez demander. Et ainsi, restaurer l'intégrité, sans doute de la relation, et sûrement la vôtre. On a un tirage en demi-teinte. Beaucoup de choses s'accélèrent dans les tirages ces derniers mois. Et ici, il s'agit de faire le bon choix, de faire celui qui est le plus honnête, qui est le plus équitable. Les amants, enfin les amoureux, c'est une carte d'équité. La sage-femme du pays des merveilles est aussi une carte d'équité. Dans cette carte-ci, on est un de ces personnages. Par contre, si vous restez dans cette dynamique-ci, vous n'êtes pas dans cette dynamique. Ici, on a vraiment une évolution qui vous appelle à dire qui vous êtes. Le 8 de bâton, l'empereur. Et c'est seulement en le faisant, c'est seulement en disant qui vous êtes, ce que vous voulez faire, sans doute ce que vous avez fait aussi, que la relation en bénéficiera. La relation bénéficiera de votre franchise, de votre honnêteté, de votre prise de position. Tant que vous gardez pour vous les informations, ça n'avance pas. Ça ne peut pas progresser. Ici, il faut prendre une grande résolution quant à ce que vous êtes et ce que vous voulez devenir. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de tirer un trait sur qui vous avez été. C'est dire les choses comme elles sont, et ensuite ouvrir la porte vers l'avenir. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Je vais vous développer le reste des cartes dans l'extension. Comme vous le savez, c'est un moyen de soutenir mon travail, puisque les vidéos sur la chaîne YouTube sont gratuites. Un grand merci à vous de faire cette démarche. Vous pouvez aussi liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.